Bonjour Jean-Luc, comment ça va? Ça va bien, Marie-Pierre, merci. Oui. D'entrée de jeu, je voudrais savoir comment on se sent comme athlète, comme homme, d'avoir influencé une athlète, une jeune femme comme Jennifer qui a atteint un niveau d'élite au Canada dans son sport? Vraiment, c'est un fait, un privilège, peut-être d'avoir influencé une athlète comme Jennifer parce que c'est une athlète exceptionnelle. Qui a autant démontré par ses résultats qui sont exceptionnels que par ses aptitudes physiques qu'elle est capable d'accomplir des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, de l'avoir influencé, c'est un vrai privilège. Évidemment, quand moi j'étais athlète, c'était peut-être pas nécessairement ça mon but direct d'influencer les autres, mais de voir que ça a pu servir à d'autres personnes qu'à moi, ça fait un petit velours, hein, quelque part, là, pour quelqu'un qui est un peu dépassé comme moi. Alors, ça fait c'est très agréable. Mais vous êtes quand même un peu en contact encore avec le milieu du ski. Vous commentez certaines courses. Oui, c'est agréable. Moi, j'ai encore l'opportunité d'être impliqué très indirectement avec le sport, en étant analyste, en regardant le sport évoluer. Puis justement, c'est un sport qui évolue extrêmement rapidement. De voir que les jeunes, maintenant, font des choses à des âges tellement plus jeunes qu'à notre âge, quand nous étions compétiteurs, c'est extrêmement impressionnant de voir qu'ils sont si talentueux, de voir toute la passion et surtout la dose de travail qu'ils mettent dans tout ça. C'est impressionnant, c'est très stimulant. Alors, d'avoir été impliqué, puis surtout de voir que le sport continue d'être en santé et que ça incite d'autres jeunes d'avoir pu communiquer ma passion du sport envers d'autres personnes, qu'eux vont le faire envers d'autres aussi par la suite, c'est que du positif et c'est un beau petit velours. C'est un beau cadeau, en quelque sorte, de voir que tous ces jeunes sont capables de faire des choses qui sont si extraordinaires. Oui, parce que la rumeur dit qu'à l'époque, quand toutes les jeunes filles tripait sur les stars d'Hollywood. Jennifer, c'était Jean-Luc Brassard, donc c'était vraiment pour elle, c'était très précieux. Donc, on peut dire que ça a été vraiment une inspiration pour elle. Ça fait un petit flou. C'était drôle. Quand Jennifer s'est joint à l'équipe, j'étais déjà un des vétérans de cette équipe canadienne. Elle était très talentueuse, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ce qui a fait son succès à Jennifer, c'est qu'elle a travaillé très fort. C'est pas tombé du ciel, elle n'est pas née avec un talent plus que les autres. Elle a travaillé très fort pour le développer. C'est surtout ça qui est important de se souvenir, je crois. Et quand on l'a vu à l'entraînement, elle prenait des doses d'ouvrage considérables, à peu près au même titre que les gars, mais avec les limites que l'imposait la physionomie féminine. Mais elle les outrepassait toujours pour s'entraîner davantage, pour apprendre davantage. C'était drôle parce qu'elle était gênée, Jennifer. Elle arrivait dans l'équipe, puis elle était toute petite, puis bon, il y avait peut-être des gens qu'elle prenait en admiration alentour, pas juste moi, il y avait d'autres aussi. Alors, elle était extrêmement timide, mais on sentait qu'il y avait quelque chose en elle qui l'incitait à venir nous parler pour apprendre. Elle posait beaucoup de questions. Et je me rappelle très bien d'une anecdote où on était dans un petit village de Blue River, au plein centre de la Colombie-Britannique, et il y avait un petit lac qui était quand même assez grand, là, plus grand comme le parc La Fontaine. Et Marlene Jennifer, qui était une nageuse extrêmement accomplie, elle a dit, bien, est-ce qu'on traverse le lac? Alors, moi qui suis en forme, là, mais je ne suis pas un nageur, je ne suis pas un poisson. T'sais. Alors, j'ai dit, bien là, traverser le lac, hein, prenant mon temps peut-être. Elle a dit, non, on va faire le tour d'abord. Et là, bien évidemment, j'ai abdiqué parce que le périmètre, tu veux faire le tour du lac, ça m'aurait pris la journée. Mais là, elle est partie. Elle est partie à la nage et elle a fait tout le tour du lac après une journée complète de ski. Ce que j'avais trouvé absolument exceptionnel. Et à partir de ce moment-là, j'avais pris conscience des aptitudes de cette demoiselle-là. Mais encore une fois, avoir des aptitudes physiques, c'est une chose. Réussir à mettre le psychologique dans tout ça sur une équipe nationale, c'est une autre chose. Et elle a traversé des périodes assez difficiles, Jennifer. On a pu voir dans son cheminement de carrière, parce que c'est un sport mix, il y a des gars, il y a des filles. Et on pouvait voir qu'il y avait quand même un peu de friction à travers l'équipe féminine. Alors, ça lui imposait, en plus de tout le stress psychologique de faire des descentes, il y avait une certaine compétition à l'intérieur de l'équipe féminine qui n'était pas facile à gérer, que nous, de l'équipe des gars, on pouvait observer, on n'osait pas trop s'immiscer là-dedans, mais on sentait que, pour moi, ses performances olympiques sont une chose, ses performances de championnat du monde sont une chose, mais la manière qu'elle a géré sa carrière à travers les difficultés naturelles, ça, c'était... je lui lève mon chapeau parce qu'elle a démontré beaucoup, beaucoup de caractère durant cette période-là.